Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule À l'hôtel, le petit déjeuner. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui. Je voudrais prendre mon petit déjeuner. C'est un buffet? Oui. Vous pourriez me donner votre numéro de chambre, s'il vous plaît? La 305. Merci. Donc ici, vous avez le buffet avec les viennoiseries, le pain, les confitures, la pâte à tartiner et le beurre. D'accord? Juste à côté, vous pourrez trouver les laitages, les yaourts et les céréales. Très bien. Et en dernier, vous trouverez la machine à café, thé et chocolat chaud. Merci. Si vous avez une question ou besoin de quelque chose, n'hésitez surtout pas à me demander, d'accord? Merci. Et les couverts, ils se trouvent où? Juste ici, monsieur, avec les plateaux. Bon appétit! Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule À l'hôtel, mes draps sont sales. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je viens d'arriver dans la chambre 305 et j'ai remarqué que les draps n'avaient pas été changés. Mon Dieu, c'est vrai? Oui, et ils sont un peu sales. Un instant, monsieur, je contacte la personne responsable de votre étage. Merci. Très bien. Je viens d'avoir la personne qui supervise votre étage et votre chambre n'avait pas encore été faite. Mon collègue n'aurait pas dû vous donner la clé tout de suite. C'est pas grave, ça peut arriver. La chambre sera bientôt prête? Dans 20 minutes. Mais en attendant, si vous le souhaitez, et pour nous excuser, nous vous offrons une boisson au bar de l'hôtel. C'est gentil. Merci.
Je vous en prie, monsieur, et encore désolé pour cette erreur de notre part. Ce n'est pas grave. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule À l'hôtel, où est le parking? Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, j'ai réservé une chambre au nom de Lefrançois. Un instant, s'il vous plaît. Je regarde. Oui, monsieur Lefrançois, vous resterez du 14 au 16 février. Oui, c'est ça. Par contre, je suis arrivé en voiture et j'aimerais savoir comment accéder à votre parking. Alors c'est très simple, vous allez continuer tout droit et prendre la première rue à votre droite. Vous verrez une entrée de parking et vous devrez taper le code qui se trouve sur le reçu que je vais vous donner dans un instant. On peut y accéder toute la nuit? Non, pour des raisons de sécurité, vous pouviez excéder de 6 heures du matin à minuit. Mais c'est parfait comme ça. Tenez, voici votre reçu, monsieur Lefrançois. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule À l'hôtel, réservation pour une personne. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Bonjour, je voudrais réserver une chambre. Oui, et c'est pour quelle date? En fait, ce serait du 14 au 16 février. Une chambre pour une personne? Oui. Un instant. Je vérifie si nous avons des chambres libres. Alors, du 14 au 16 février, pas de problème. Vous voulez faire la réservation tout de suite? Oui. À quel nom je mets la réservation? Le François, en un seul mot. Très bien, la réservation est faite. C'est parfait, merci. Au revoir.
Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule À l'hôtel, réserver une chambre. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Bonjour, je voudrais réserver une chambre. Oui, et c'est pour quelle date? En fait, ce serait du 14 au 16 février. Et il y aura combien de personnes? Deux adultes et un enfant. Un instant, je vérifie pour voir si nous avons des chambres libres pour cette période. Alors, du 14 au 16 février, pas de problème, nous avons une chambre libre. Vous voulez faire la réservation tout de suite? Oui. Vous prendrez des petits déjeuners? Oui. Je mets la réservation à quel nom? Le François, en un seul mot. Très bien. La réservation est faite. Je vais vous imprimer le reçu. Un instant. Tenez, le voici. Bon, ben c'est parfait. Merci. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Acheter des macarons. Bonjour monsieur, vous désirez? Bonjour madame, avez-vous des macarons? Je n'en vois pas. Oui, tenez, ils sont ici. Ah, d'accord. Eh bien, je vais vous prendre deux macarons au chocolat et trois macarons à la fraise. Et vous désirez autre chose? Non, ça ira comme ça. Merci. Alors, ça vous fera 5 euros, monsieur. Tenez. Je vous remercie. Au revoir et bonne journée. Merci. À vous aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les dialogues. Et le thème de ce dialogue est Acheter le journal. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui. Je cherche le journal Le Monde et je ne le vois pas. Ah oui, il est juste sur votre droite, entre le Figaro et Libération. À droite?
Oui, encore un peu et vous y êtes. Ah oui, le voilà. Et ça sera tout? Oui. Alors, ça vous fera 2 euros. Tenez, au revoir et bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Commander un café à emporter. Bonjour monsieur, vous désirez? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Vous désirez autre chose avec votre café? Non, ça ira, merci. Sur place ou à emporter? À emporter. Ça vous fera 2 euros, s'il vous plaît. Tenez. Merci, au revoir et bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir un dialogue qui s'intitule Acheter un Cola-Cola. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un cola-cola, s'il vous plaît. Un petit, un moyen, un grand? Un moyen. Et avec ça? Ça sera tout. Merci. Sur place ou à emporter? Sur place. Alors, ça vous fera 2 euros, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Au revoir et bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Acheter un croissant. Bonjour monsieur, vous désirez? Bonjour madame, avez-vous des viennoiseries? C'est par ici. Eh bien, je vais vous prendre un croissant, s'il vous plaît. Et ça sera tout? Oui. Je vous dois combien? Ça fera 1 euro, monsieur. Tenez. Je vous remercie. Au revoir et bonne journée. Merci. Vous aussi?
Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Acheter un hamburger. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un hamburger, s'il vous plaît. Vous voulez prendre des frites avec votre hamburger? Non. Une boisson? Non, juste un hamburger. Sur place ou emporté? À emporter. Alors ça vous fera 2 euros. Tenez, au revoir. Au revoir et bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Acheter un magazine. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je cherche le magazine Psychologie pour ma femme. Ah oui, il est juste sur votre gauche entre Chasse et pêche et Capital. Vous le voyez? À gauche? Oui, vous y êtes presque. Ah oui, le voilà. Ça sera tout? Oui. Alors, ça vous fera 4 euros. Tenez. Au revoir. Et bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Acheter un pain au chocolat. Bonjour monsieur, vous désirez? Bonjour madame, avez-vous des viennoiseries? Oui, c'est par ici. J'aimerais bien un pain au chocolat. Et avec ça? Ça ira, merci. Je vous dois combien? 1,20 €, s'il vous plaît. Tenez. Je vous remercie. Au revoir et bonne journée. Merci. À vous aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Acheter un ticket de bus. Bonjour monsieur, je peux vous aider?
Oui, je voudrais prendre le bus pour aller à la gare, mais je ne sais pas où acheter le ticket. Pas de problème, je peux vous le vendre, ou sinon, vous pouvez l'acheter dans le bus. Et c'est le même prix? Oui, ça ne change pas. Bon, eh bien je vais vous le prendre alors. Vous les vendez à l'unité? Oui, ça vous fera 2 euros, monsieur. Tenez. N'oubliez pas de le composter en montant dans le bus. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Acheter un ticket de métro. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je voudrais acheter un ticket de métro ou de RER. Je ne sais pas trop. C'est pour quelle zone? Je ne suis pas sûr. Je voudrais juste rester dans le centre de Paris. Alors, dans ce cas, prenez un ticket de métro. Vous pourrez aussi prendre le RER, mais juste dans la zone 1. D'accord. Dans ce cas, je prendrai juste le métro, ce sera plus simple. Vous désirez autre chose? Non, ce sera tout. Je vous dois combien? Un euro soixante-dix. Tenez, je vous donne un plan de métro avec. Merci et bonne journée à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir un dialogue qui s'intitule Acheter une baguette. Bonjour monsieur, vous désirez? Bonjour madame, une baguette s'il vous plaît. Vous voulez une baguette tradition ou une baguette normale? Une baguette normale s'il vous plaît. Très bien. Et vous désirez autre chose? Non, ça sera tout. Je vous dois combien? Ça vous fera 1 euro, monsieur. Tenez. Merci. Au revoir et bonne soirée. Merci. À vous aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir un dialogue qui s'intitule Commander
un café. Bonjour monsieur, ça sera quoi pour vous? Je vais prendre un café, s'il vous plaît. Et vous désirez autre chose? Non, ça ira comme ça. Merci. Tenez, voilà votre café. Merci. Est-ce que je peux régler tout de suite? Je suis un petit peu pressé. Oui, pas de problème. Ça vous fera 2 euros. Tenez, et gardez la monnaie. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule « Comment t'appelles-tu ?» Salut, excuse-moi de te déranger, est-ce que tu as l'heure ? Ouais, il est 3h15. T'attends quelqu'un ? Ouais, j'attends ma copine. Elle est toujours en retard. Rien de nouveau. Bah moi aussi. Avec les filles, faut avoir de la patience. Je me présente, je m'appelle Alexandre, mais mes copains m'appellent Alex. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Tim. J'espère juste qu'elle va arriver avant la tombée de la nuit. Ouais, moi aussi. Ah ben tiens, voilà la mienne qui arrive. J'étais content de te rencontrer, Tim. On se reverra peut-être dans le quartier. Pas de problème, Alex. À la prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un dialogue qui s'intitule Comment vas-tu? Salut Laurent, tu vas bien? Ah, tu fais une drôle de tête. Ouais, c'est pas la grande forme en ce moment. Je me demande si je suis pas malade. Ah bon? Tu as mal où? J'ai mal nulle part. J'ai juste crevé. J'ai envie de dormir tout le temps. Et tu t'es couché à quelle heure hier soir? Vers 4h du mat. Eh ben voilà la raison. T'es pas malade. Faut juste que tu dormes plus, mon gars. Merci, papa. Comme si je le savais pas, ouais. Ok, je te laisse. T'es crevé et en plus t'es de mauvaise humeur. Ok, t'as raison. Ce soir, je me couche à 9h. Ou pas.
Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un dialogue qui s'intitule « Et si on allait au restaurant ?» Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au restaurant. Oui, c'est vrai. C'était quand la dernière fois? Tu t'en souviens? C'était pas pour l'anniversaire de mariage de tes parents? Mais non. On a dû y aller après quand même. Leur anniversaire, c'était il y a 2 mois. Bah oui, c'est ce que je te disais. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Et l'anniversaire de ta sœur il y a 3 semaines, tu as oublié? Ah, c'est vrai. Mais c'était une catastrophe. Tu te souviens de la nourriture? C'était vraiment pas bon. D'accord, j'ai compris le message. Bah, pas du tout. Je ne sais pas ce que tu vas t'imaginer. Je ne m'imagine rien, ne t'inquiète pas. Et si je t'invitais au restaurant ce soir? Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un dialogue qui s'intitule « Il est fort ton café ». Tu veux prendre un petit café? Ah oh oui, avec plaisir. Tu prends du sucre dans ton café? Non, merci. J'espère qu'il est bon, hein. Je n'avais pas la tête à ce que je faisais quand je l'ai préparé. Ça va? Tu fais une drôle de tête. Tu l'as goûté? Non, pas encore. Vas-y, goûte-le et dis-moi ce que tu en penses. Oh, tu as raison. Il est trop fort. Il est imbuvable. Oh, excuse-moi. Moi, attends, je vais t'en refaire un. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un dialogue qui s'intitule « Le frigo est toujours vide ». Tu peux me dire pourquoi le frigo est toujours vide? Bah, je sais pas moi. Il n'y a plus rien? Non. J'ai fait les courses il y a 3 jours
et tout a disparu. N'oublie pas que nous avons deux adolescents à la maison. Et ils mangent comme quatre. Et en plus, ils grignotent tout le temps. C'est pour ça que le frigo est vide. Peut-être. Mais si ça continue comme ça, je vais cadenasser le frigo, moi. Cadenasser le frigo? Ou alors on va faire les courses chacun notre tour, parce que je commence à en avoir assez d'aller tout le temps au supermarché. Écoute, relaxe-toi, je vais y aller avec les enfants. Comme ça, tu pourras te détendre. Tu as l'air un peu tendu. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un dialogue qui s'intitule Le taxi, c'est cher. Tu rentreras comment de ta soirée avec tes amis? C'est pas encore. Je prendrai peut-être le bus de nuit. Le bus de nuit? Pourquoi tu ne veux pas prendre un taxi? Bah, à ton avis. Je sais pas. Si je prends le bus de nuit, je vais en avoir pour 4 euros. Et si je prends le taxi, ça va me coûter au moins 5 fois plus. Cinq fois? Ah oui? Je l'ai déjà fait une fois, hein, et j'en ai eu pour 20 euros. Ou alors, encore mieux? Quoi? Bah, tu rentres à pied. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un dialogue qui s'intitule Où est mon portable? Ça va? Tu as l'air d'être énervé? Bah oui, ça fait 10 minutes que je cherche mon portable. Et tu le trouves pas? À ton avis? Oh, pardon, je veux pas te déranger. Non, mais ça m'énerve. Je vais être en retard pour aller au travail. Tu as regardé s'il n'a pas glissé sous ton lit?
Alors? Ah, il a dû tomber de la table de nuit et glisser sous le lit. Merci. Bon, j'y vais, sinon je vais être en retard. Bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un dialogue qui s'intitule Passer l'aspirateur. Tu n'as rien oublié aujourd'hui? Non? Tu es sûr? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aurais oublié d'après toi? Tu avais dit que tu allais passer l'aspirateur aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, oui. Et mystérieusement, tu as oublié. Ben non, j'allais justement le faire. Oui, c'est ça. Bon, tu sais où il est, non? Pendant ce temps-là, je vais aller faire les courses. À tout à l'heure, chérie. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Quelle heure est-il? Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous auriez l'heure? Oui, il est 10h25. Merci. Vous êtes sûr? Oui, pourquoi? Non, pour rien. Le temps passe si vite. Ah, attendez. C'est peut-être parce que ma montre avance de 5 minutes. Ah, donc dans ce cas-là, il est 10h20. Eh oui. C'est pour ne pas être en retard que je la mets 5 minutes en avance. Bon, je vous remercie, monsieur. Au revoir. De rien. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un dialogue qui s'intitule Qui est-elle? Tu as vu la fille qui vient de rentrer? Non, attends. Ah oui, la fille qui est habillée en bleu. C'est qui? Ah, c'est la nouvelle copine de Nicolas. Elle est mignonne, hein? Elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Hélène. Et elle est vraiment sympa. Tu veux que je te présente? Mais non. Et en plus, j'ai déjà une copine. T'es sûr? Oui. Et puis je dois y aller, car elle m'attend. Et je veux pas la faire patienter. Bon, bah à plus. Moi, je vais aller discuter avec Hélène. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Tu as bien dormi? Bonjour, alors, tu as bien dormi? Tu parles? J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Ah bah mince, c'est pas sympa ça. C'était quoi tes cauchemars? Des trucs horribles. J'ai pas trop envie de m'en souvenir d'ailleurs. Ah bah moi, je ne me souviens de rien. Tu as de la chance. Peut-être que c'est parce que je suis un peu stressé en ce moment. De la chance, de la chance. C'est aussi bizarre de se réveiller sans se souvenir de ses rêves. Tu ne trouves pas? Bah, des fois, je préférerais ne pas m'en souvenir, comme ceux de cette nuit, par exemple. Bon, on prend un café pour oublier tout ça? Bonne idée. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Tu étais où? Salut Fred, dis donc, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu étais où? J'étais parti pour les vacances avec ma copine. Ah ouais? Et vous êtes allé où? On est parti aux États-Unis. On a pris un vol low cost et on est resté dans des petits hôtels. Et tu parles bien anglais? Ah non, moi je suis nul en anglais, mais ma copine elle se débrouille. Et vous êtes resté combien de temps là-bas? Un peu plus de 2 semaines. C'était vraiment bien. Mais je suis pas mécontent de rentrer. Faudra que tu montres les photos que tu as prises là-bas, hein. Pas de problème. On se fera une soirée bientôt à la maison. Bon, je dois te laisser, hein. À plus! Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Tu ronfles. Dis donc, je voulais te dire quelque chose.
Ah oui? Et c'est quoi? C'est un peu délicat. Tu vas pas t'énerver. M'énerver? Pourquoi je m'énerverais? Je sais pas, c'est un peu délicat comme sujet. Et c'est peut-être pas à moi de t'en parler. Bon, arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce que tu as à me dire. Bah, tu ronfles la nuit. C'est tout? Bah oui, je sais que je ronfle. C'est pas la fin du monde, non? Je te jure. Tout ça pour ça? Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Vous avez l'heure? Bonjour monsieur, je suis désolé de vous déranger, mais auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Ah oui, attendez, je n'ai pas ma montre sur moi, mais je dois pouvoir trouver mon téléphone. La batterie du mien vient juste de rendre l'âme. Bien sûr, c'est quand on le cherche qu'on ne le trouve pas. Prenez votre temps, je ne suis pas pressé. Ah, le voilà justement. Oh non! La batterie est morte aussi. Ah, donc, je ne suis pas le seul. Apparemment non. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider. Ce n'est rien. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un dialogue qui s'intitule À l'hôtel, vous pourriez m'appeler un taxi? Bonjour monsieur Lefrançois, votre séjour s'est bien passé? Ah oui. C'était parfait. L'hôtel est vraiment très agréable et idéalement situé. Vous souhaitez laisser votre clé tout de suite ou bien prendre votre petit déjeuner avant? Je vais prendre mon petit déjeuner avant de monter, prendre mes valises. Mais pourriez-vous m'appeler un taxi pour 9 h? Avec plaisir, monsieur Lefrançois. Vous êtes tellement aimable. Merci. Je vous en prie, je vais signaler à notre personnel de ménage de ne pas faire votre chambre
avant 9h. C'est gentil. Bon appétit, monsieur le François.